Tamouachian en France. Il y a donc 30 ans que Tamouachian nous a quittés pour la France. Les innombrables souvenirs du temps des Ushidaishi me remplissent d'émotion. L'aïkido se manifeste aujourd'hui comme la voie pratique de l'unité corps-esprit qui donne naissance au développement spirituel. C'est pourquoi l'aïkido attire et suscite une curiosité et un intérêt partagé par des gens toujours plus nombreux venus du monde entier. Le développement de l'aïkido est dû notamment à Tamouachian, ainsi, bien entendu, qu'aux nombreux chians qui font vivre le cœur de l'aïkido. Il est incontestable qu'ils sont une des forces majeures qui ont permis à l'aïkido de se développer. Nous pouvons sans aucun doute compter sur le rôle prééminent de l'aïkido dans l'éducation des générations à venir. Au moment où s'ouvre cette perspective, Tamouachian franchit le cap des 30 ans de présence continue en France et nous ne pouvons que nous réjouir des immenses possibilités que cela laisse augurer. À cette occasion, je prie pour que Tamouachian continue avec la même ardeur à faire vivre la voie de l'aïkido pour le bien de l'humanité et la paix dans le monde. Avec mes sincères félicitations, Aikidoshu, Uchiba Kishomaru. Beaucoup de monde. Les 11, 12, 13 novembre, Aix-en-Provence, capitale de l'aïkido pour la circonstance, recevait environ 1000 pratiquants afin d'honorer Sensei Tamura pour ses 30 ans de présence en France. L'organisation a été réalisée par le comité de Provence sous l'égide de son président Serge Solé. Maître Yamada et Maître Sugano ont tenu à s'associer à la fête. Ne pouvant pas vous présenter l'intégralité des cours, nous avons préféré choisir quelques techniques démontrées par les différents sensei. Contact. N'attendez pas pour le contact. This is the method of training in the beginning. Donc ça c'est une méthode d'entraînement pour débutants, au début.
So now friends come into the Maui. Hmm? Ensuite, quand vous sentez que le Maui se rapproche, vous dire, vous dire directement. This is one way to training. Ça, c'est un moyen d'entraînement, une méthode. But now the friends come into the Maui. Donc, par rapport aux trois méthodes que j'ai dit tout à l'heure, sur saisie, au moment du contact, puis là, c'est avant contact. Maintenant, quand le Maui se rapproche, à ce moment-là, vous entrez. Hey! S'il vous plaît. Donc, contact. Là, on ouvre la main. Mais tout le monde fait ainsi. C'est là qu'on est en train de faire. Là, c'est, vous voyez, c'est plus naturel, non? Mais quand on coupe par-dessus, c'est là, c'est différent. Ça, c'est pas la même chose. Là, il faut faire attention. On est en train de faire ceci. Même si on ne fait pas tomber, on peut absolument faire facilement tomber. Là, avec ce sens-là, on travaille. Là, maintenant, on ne laisse pas saisir la main. Il faut faire couler. Il y a tellement de manières de faire. Au départ, c'est de ne pas faire de contact, de laisser couler. Le déplacement du corps, c'est ainsi. Normalement, bien sûr, on fait tomber. Non, il faut absolument éviter l'accident. Hey.
dans une prochaine étape, essayez maintenant de développer un peu plus le sens du rythme. Et continuez à présenter le mouvement. Si vous continuez seulement sur un plan horizontal, vous n'allez pas créer de rythme. Il faut à un moment donné descendre et remonter. Donc le fait de descendre, d'entrer, de descendre et de remonter, ceci crée un rythme. So try just like bouncing. Essayez de penser comme si vous faisiez rebondir une balle. Si un hooker ne donne pas de réponse à ce mouvement de rebond ou de ressort, c'est fini pour lui. Donc entraînez-vous à développer ce rythme. All your body, utilisez tout votre corps, so not just arm, pas seulement les bras. Again, so open finger, ouvrez vos doigts, not loose, and arm. So moving through. Entrez, descend. You need to, your body to fall down. Position. Donc, essayez de développer cette, l'habitude de pouvoir descendre dans une position très basse. Avec cette sensation, vous travaillez. C'est beaucoup plus simple, plus intéressant pour vous. そこから投げることばっかりあんまり一生懸命ならないで投げることをしてるのはそうじゃない。 Ok. Le contracteur peut essayer, mais pour chercher.
don't stop here. Vous n'arrivez pas dans cette position. The same takes step in direction. Hey, Shihona. Si vous restez trop longtemps ici, donc vous êtes à découvert. Ce n'est pas non plus une question de vitesse pure des bras. Si les bras vont vite, mais le corps reste en face, ça ne sert à rien. Le corps doit bouger, sortir de la ligne d'attaque. C'est pas l'immobilisation. Le plus important, c'est qu'il faut, qu'il vienne. Là, c'est accrochage ici, c'est beaucoup plus important. L'immobilisation, ce n'est qu'un résultat du mouvement précédent. Là, on coupe bien, donc il est obligé de perdre son équilibre. Là, on peut entrer comme cela, mais ça, c'est votre choix. Plus tard, instinctivement, c'est l'instinct qui choisit les techniques. C'est là, il faut saisir cette sensation-là. Quand on est saisi, il y a déjà
le choix. Ou bien, on peut entrer. Ça, je pense que c'est autre chose hein, que précédent. Il faut qu'on recherche tous les mouvements. Thank you.
Le fait d'utiliser la tenue vous permet de contrôler votre direction à distance. Take the hand from underneath. Prenez la main par dessous. And after that again. Nouvelle tenue. So this is just closer with another attack. Si vous entrez simplement sans donner la tenue, c'est lui qui vous fait frapper. So la tenue stop, prevent second attack. Donc la tenue arrête, mais il la deuxième attaque. Don't stop here. Et ne vous arrêtez pas ici quand vous entrez. Continuez seconde. Continuez à faire le deuxième pas. En vous abaissant, Other hand, how to take the tip? La deuxième main va saisir les doigts. Ou alors va renforcer votre pouce. So not stretch with your hand. Not press with your hand. Ne cherchez pas à briller sa main avec votre main, Hands that hold to your body. Vous saisissez, c'est votre corps qui fait tourner. Et vous mettez la paume de sa main contre votre genou. Utilisez vos genoux, laissez vos genoux. Restez pas comme ça en haut. C'est qu'il y a toujours une symbiose possible entre une commune et les manifestations, les activités de cette commune. Ici, nous avons la Sainte-Victoire, nous avons l'armistice, et nous avons l'anniversaire du 30e de l'année de présence de Tamura Sensei. Je pense que c'était un lien qu'on pouvait faire. On ne pouvait le faire que grâce à cette symbiose avec la commune, avec la mairie. Et je remercie effectivement pour avoir mis à notre disposition une salle aussi merveilleuse. Et avec autant de gentillesse, avec tous les services accessoires qui étaient présents également. Je voulais vous remercier, Monsieur le Président, et tous les organisateurs d'avoir choisi la ville d'Aix-en-Provence pour cette manifestation. Je voulais remercier les maîtres ici présents qui nous font un grand honneur de venir dans Aix, capitale de Provence et aujourd'hui capitale de l'aïkido. Je crois que c'est extrêmement important. Dans une aussi grande convivialité, avec autant de simplicité, quand on a la qualité que vous avez, les niveaux sportifs que vous avez, je crois que ça c'est vraiment le sport, et puisque vous m'en remettez un, je lève mon verre et je voudrais trinquer avec vous, puisque vous êtes un petit peu le héros de la fête. Donc, merci, et merci d'être avec en Provence. J'ai trouvé dans ma vie, sur ma route, un jour de grand bonheur, un homme, pas très grand, pas très costaud, mais qui est resté pour moi un exemple, qui l'est tous les jours, et que je cherche toujours, parce que je ne l'ai pas encore trouvé. Et quelque part, ce grand maître que je vénère, que j'écoute, se transforme au fil des âges, de plus en plus, en une espèce de frère. Au nom de tous vos amis marocains, ils sont nombreux, merci Sensei, merci d'être là. Merci Monsieur le Président, merci à vous mes amis qui avez rendu cette rencontre possible. Merci encore à tous ceux qui dans l'ombre, silencieusement, ont travaillé pour que cette rencontre soit une réussite. Et elle l'est. Merci mille fois de m'avoir supporté. Deutschen Föderation recht herzlich bei Tamura Sensei bedanken.
Pour la Fédération allemande, nous voudrions vous remercier beaucoup, Sensei, pour votre travail et votre enseignement en Allemagne. Dear Sensei, I never before met someone who worked so hard like you did. Cher maître, je n'ai jamais rencontré jusqu'à maintenant quelqu'un qui travaille avec autant d'énergie que vous-même. I have to thank you, Sensei, in the name of all the students of my country, the Netherlands, for the wise lessons you give us, not only for the tatami, but especially for daily life. Et je voudrais vous remercier, Sensei, pour ces merveilleuses leçons que vous nous donnez, non seulement sur les tapis, mais dans la vie quotidienne. I will be short, Sensei. I hope you will spend another 30 years for us in good health together with the family you create. Thank you very much. Et je serai vraiment très bref, mais je voudrais souhaiter, Sensei, que vous nous donniez encore 30 ans, que vous construisiez encore 30 ans à cette famille que vous avez créée, et je vous remercie profondément. Il y a 30 ans, je vous ai découvert, j'ai découvert l'aïkido aussi. Et que c'est un double message d'espoir et d'amour vers l'avenir. Et je voulais vous dire merci pour ce message d'amour. Merci encore, Sensei, pour tout ce message d'amour que vous nous avez lancé. Soyons, essayons d'être à l'image de ce que vous vouliez vraiment planter dans nos cœurs. Merci encore, Sensei. Merci très sincèrement pour ce soir.
Non? C'est le stage, je vous ai expliqué. Contracté, en expiration, en attitude. Vous restez tranquille, lui. Comme ça, vous aussi tranquille. Vous avez toujours des linges, l'idée de moi. Laissez-vous continuer. Venez. Il faut trouver cette sensation. Ça, c'est pas uniquement le corps. Hein? Hier aussi expliqué. Là aussi, là, ça jure. Vous mettez bien le pic. Il faut faire mal. La mâche pure, du sang, sans pire. Mais si c'est rien, sans rien. Donc ce que vous voulez. Hein. Donc à la fois, l'éducation de mental. Hier, je ne sais pas, quelqu'un qui demandait un mental spirituel, ça je ne sais pas. Pourtant quand même, le mental, oui, nous avons une mental. Il faut contrôler soi-même. Venez. Donc il faut libre. Libre, ça veut dire, ah, je suis libre, je fais n'importe quoi. C'est pas ça, hein. Parfaitement contrôlé, vigilant, vous-même. Là, ça, c'est la liberté. Hein? Pour arriver à ça, on est obligé pour suivre ce travail, pour éduquer. Petitement, la main comme ça, c'est déjà différent. C'est sens, on dit. Hein? Et puis, il faut s'insérer vous-même, pour augmenter vous-même, et tomber, donc ça va. S'il faut. Mais non. Même tomber, mais peut-être, c'est pas bien, comprenez? Même pas tomber, peut-être, vous adversaire pas tomber, mais votre attitude, peut-être exacte. Vous ne savez rien, mais enfin, c'est ça, là. Il faut s'entraîner au travail de petit pour éduquer votre corps, avec le mouvement, vous voyez? C'est votre adversaire, normalement, la machia, qui vous donne beaucoup de choses. Voilà. Comme ça, c'est pas l'ennemi. L'ennemi qui vient de vos amis. Voilà. C'est ça l'idée. Vous voyez? Alors, c'est la paix, donc tout le monde gentil. Allez, tombez-vous, ouais. Pas tomber, c'est pas gentil. Non, c'est pas ça. C'est bloc, mais enfin, c'est ce bloc qui m'a donné quelque chose. Vous voyez? Vous allez comprendre? Mais c'est ça l'important. Hein? Et bien, vous voyez? Vous avez beaucoup de temps. Vous pouvez là. Vous avez fait la question.
L'étape suivante, vous allez développer la notion du timing sur une attaque semaine. Au moment de l'attaque, donc, une fois sur Oura, une fois sur Omoté. Showman is coming here. Showman arrive ici. Easy to just miss. Donc il est facile de se déplacer de manière à ce qu'on ne soit pas touché. Idea of training is to get timing. Donc l'idée c'est de développer le timing. Watch carefully partner's moves. Donc soyez attentif au mouvement du partenaire et déplacez-vous. Et en aura et en moté. Ça c'est juste ça, alors il faut bien corriger votre attitude encore une fois. Ce n'est pas avec la force que vous essayez de conquérir. Good!
Thank you.